Sur le message global, je vais le répéter sans cesse, c'est celui de la vigilance. Affoler les gens, madame, je n'ai jamais vu ici ou ailleurs en quoi cela pourrait être utile. Faut, je crois d'abord, en démocratie, dire la vérité. La vérité, voilà. D'ailleurs, je, de vous à moi, les gens aussi voient ce qui se passe autour d'eux. Bon, donc, il faut à la fois leur dire que nous, c'est notre premier rôle, l'État, les institutions publiques, le gouvernement, nous sommes prêts, nous nous sommes, comme les autres pays, améliorés dans la prévention et la gestion de cette épidémie depuis que nous en connaissons les effets, malgré l'incertitude de cette dernière. Et nous savons aussi, c'est pourquoi il faut marteler ces messages, que précisément cette lutte contre l'épidémie dépend aussi des comportements individuels de chacune et chacun. Donc, affoler, sûrement pas. Appeler à la vigilance et au sens des responsabilités, très sûrement. Très sûrement. Est-ce que je trahirais le fond de la pensée de tout le monde et tous les Français en disant que peut-être il y a eu une forme de relâchement ces dernières semaines qui peut expliquer les chiffres que j'ai présentés au début de mon intervention.